Poumon gauche, cœur. Ah, mission, prélever un Wapiti Roosevelt mal pesant au moins 400 kg en utilisant la mission 306. Ah bah oui, il faut que je la fasse aussi celle-là. Ce sera une autre fois. Ah oui, elle est belle. Belle bête, hein. 322, oui. Tu m'as tiré la langue. Une colonie à côté, deux colonies à côté. J'avais déjà commencé à attaquer un mec. Je m'étais fait laminer mon armée. Enfin... Je la tire celle-là. Ouais, vas-y, c'est pour toi. C'est promis, quoi. Oh la marque de sang. T'as pas fait dans la dentelle. Hein. Ah là, je suis rotine, hein, ça pique. Hein. Ok. Non, c'est pour ça que je jouais, mec. Attends, je jette un petit coup d'œil quand même derrière, on sait jamais. Oui. Mais bon, ça a pas l'air. Non, vas-y, fais-toi plaisir. Bon, attends, on va peut-être attendre encore un petit peu, ça se trouve. Il y a son copain derrière. Bon, oh, il a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis? Il n'y a pas de curly dans la forêt. Bon, on va lui abréger ses souffrances alors. Paix à son âme. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Il ira loin celui-là ou pas? Bon, c'est pas, non. Il a pris la deuxième. Ouais. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Donc c'était sympa, deux beaux scores quand même. Écoute, oui. Ah, plus petit que le mien, même. Première fois, deuxième corps. Une belle bête encore. Hein. Ouais. Pas trop mal. Ah, bah si, justement. Si. T'es très mal. Ouais. T'as regardé un peu la taille du bois? Non, non. T'as pas regardé la taille du bois, non? J'ai pas osé. J'ai peur d'avoir un complexe. Ouais, complexe d'infériorité. Ah bah directement. Tiens, un gouze. J'ai même pas vu connecter. Ah si. Ah bah tiens, entre deux ramassages, il vient juste de se connecter. Un gouze 3TW. Je me sens un peu... Non. Un gouze, ça ressemble un peu, non? Mais non. J'ai rien dit. Ça ressemble pas, là. Ouais. Dans quel sens on se dirige? On va au nord? Alors, bonne vidéo. Merci. Tu verras par toi-même. au nord, oui. Au nord. Il y a des voies piquées. Ça, je sais pas. Voilà, voilà. Bien sûr. Bon, on avait un peu plus si on était un peu discret, mais. Je suis pas discret. Discret. Bah, oui, ça c'est sûr. Je suis discret, dit-il, après avoir tiré à la 30-06. Eh. Moi, j'aurais pu tirer à l'arbalète, celui-là. Ah, regarde, moi j'aurais pu le tirer à l'arc. Pourquoi tu l'as pas fait? Bon, parce que j'avais pas envie. Bah, voilà. Moi j'ai dit tu le tirais, j'ai jamais dit comment tu pouvais le tirer, tu le tirais comme tu voulais. Je suis en mode silencieux après le arc. Ok. Se taire aussi. Bien sûr. J'ai plutôt pris gros truc bling bling. Voilà, voilà. Tiens, il y a des traces là. Oh, pitié. On est en anse. 400-500 kilos, ouais. Parti par là, on va le chercher un peu d'œil. Ouais, on va le suivre. Ça fait du bien de pouvoir se balader sans avoir peur quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal, ouais. Par rapport à Primal, c'est sûr. Ouais, moi j'attends vraiment les prochaines updates. Ah, moi aussi. Un système de véhicule aussi, peut-être. Très sympa. Ouais, je sais pas si ça sera possible, ça. Hein. De domptage, comme j'ai dit, moi je monte sur le dos d'un tricé, moi, rien à foutre. Moi je vais, j'y vais à dos du Ptaraptor. Moi. Hop. D'accord. Ah, on pourra prendre après les trucs qui volent là. Chut. Ouais, on va faire traverser la s'appelle... Ah putain, j'ai oublié leur nom. Ouais, moi aussi. Mais... Vélo, non, ça c'est. Ouais, ça c'est comme les. Comme les héros des Ptas. Ça c'est le hollandais ça. Ouais. Il est con. C'est quoi le thème de Wapiti ou d'Ugea? Non.
c'est une chasse, je sais pas encore. Tiens, le thème c'est chasse au fusil. Il n'y a que moi qui en ai un. Le thème, oui, bah tiens, si vous voulez savoir un peu ça, le thème c'est se fait suivant ce qu'il y a eu dans le, comme contenu. Hein. C'est que si je dis, on part, comme dit Sutter, au Wapiti au 2GA, puis qu'à la fin de la vidéo on a tué qu'un seul Wapiti au 2GA, et qu'on ait tué à côté 15 ours et 36 cerfs de Virginie, ça comptera pas. Ça marchera pas. Donc c'est vraiment suivant le contenu. Ouais, improvisation. Ouais. Et un champotelin. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru avoir vu un truc. Dans la forêt courir ou je sais pas quoi. Ça y est, je suis traumatisé. Ah, bordel. Ne jouez pas à Primal. Oh, fuite, maintenant. Ah, bah oui, on se rend compte. Pourtant, était vachement discret. Bah, t'as pas mis de silencieux. Ouais. Oui, donc pour en revenir à Primal, ouais, peut-être une nouvelle espèce, on avait parlé avec une autre personne avec qui je jouais. Je sais pas si c'est avec toi j'en ai parlé aussi, les petits dinosaures, ah, en bas, arrête-toi, je le vois. Yes. Tu vois, en face? Ouais, ouais. Ah, c'est une femelle. Fais gaffe, elle me regarde. Je peux pas être toute seule, celle-là. Greenwood m'a dit qu'il allait avoir justement ceux qui volent là, il a dit non, je vis. Ah merde, putain, mais je le sais en plus, hein, on apprend que ça à l'école, quand on est gamin. En dinosaure, en dinosaure, t'en apprends trois, t'apprends en général le T-Rex, le Raptor et le. Bon, Kyosaur, le. Et le. Comment il s'appelle le grand là qui vole? Vélo. Ah bordel! Je sais pas, elle est où la bestiole? Je sais pas. Elle est en face. Mais elle est pas toute seule. Ouais, mais je la vois, elle est là en fait. Elle monte. Ah, il y a une autre femelle en bas, je vais la voir. Ok, qui vient de gueuler. Je reviens. Tu reviens. Hop, pipi. Allez. Pipi là? Ouais, pipi là, c'est bien. Pas tellement une bonne vue après si on monte. Oui, mais c'est pas grave, t'inquiète. J'ai déjà fait celle qui est à droite, à l'arbalète. Laisse la faire tranquille. Ouais, il t'a posé une question, le monsieur. Il m'a posé une question, le monsieur, excusez-moi. Vous le trouvez bien, ce Hunter Primal? Oui, on en parle justement. Excusez-moi pour la majuscule, mais j'ai pas envie de tout réécrire. Elle a combien de distance, la bestiole là? Une vingtaine de mètres là. T'es à 7 mètres de moi, elle est à 34 de moi. Ouais, ça fait 25 pour moi, c'est bon. Ça va passer dans les barres de 20. Dès que j'entends marcher, je tire. C'est bon. Attends une minute, il y a moyen de dire ça. Alors il est comment pour vous? Il est super. Mais on attend... La suite avec impatience. La suite avec impatience. Science. Comment t'écris science à la fin? Impatience. Ça doit pas s'écrire comme ça, mais... Ouais, mais ça sera pas grave. Il comprendra. Tu la vois, la femelle, en bas? Ouais, je la vois. Oh, oui. Silencieusement? Bon, on peut essayer. À cette distance? Oui, elle est loin pour l'instant, donc laisse-la venir, quand même. En attendant, on va voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre avec elle. Moi, je trouve le concept pof des dinosaures. Tu as le jeu. Interrogation. Attends, j'entends quelque chose de marcher. Ok, je me retourne, il y a un Wapiti derrière, je tire, désolé. Pas mal. Oui. Non, ça a fui. Désolé. Il était... Non, mais de l'autre côté. Ah non, en bas. Attends, il y a une autre qui arrive. Peut-être. Où ça? En bas. Il y en a une qui a fui et l'autre qui a pas fui. Ok, bah tu vas prendre l'autre. Au pire, tu t'es attiré à la 12G1. Ouais, on va voir. Non, mais regarde, t'as vu où était le mal pour que j'ai tiré? Ouais, j'ai vu, ouais. T'as bien fait. J'ai pas eu trop le choix, là, pour le coup. Mais c'est vrai que le coin n'était pas terrible pour le... L'urine, du coup. Bon, l'urine, ouais. Et les apôts, on va dire. Tu as le jeu de nom. D'accord.
Salut. Salut Erwan 76190, petite dédicace pour toi aussi. Il n'y a qu'un ours. Ah, ben ça c'est la loterie. DSK, j'ai marqué. Bien sûr. Oui, au lieu de mettre le L à la fin. Donc pour répondre à ta question, donc je te réponds en même temps que je t'écris, hein, quand tu regarderas la vidéo. Quant à le jeu, tu te rendras compte qu'en fait, il n'y a pas seulement de la chasse. De la chasse donc aux dinosaures, mais aussi un système de récup de survie, on va dire ça entre parenthèses, où il faut trouver tes armes, ce qui est quand même le plus gros du jeu, quoi. Tes munitions. Ouais, non, les balles coûtent cher, hein. Et les dinos parfois en consomment beaucoup. Ouais, surtout le T-Rex, hein. Voilà. Qui lui est très gourmand en balles. Je sais que moi, tout seul, quand je l'ai eu à 10 balles. Quoi. Avec Grim et Sutter, on a foutu 8 chacun, donc ça fait 8 et 8, 16, 24. Mm. Donc, voilà quoi. Sachant qu'on était équipé moi d'une 300, Grim il avait un 44 et Sutter un pompe. Mm. Et bon, il se baladait partout, c'était un mâle ou une femelle, je ne sais même plus. Je ne sais plus. Mais il était quand même plutôt gros. Hein. Bon, moi il était bugué parce qu'il venait de bouffer deux personnes, donc il était rassasié, il bougeait plus trop. Je vais pas tarder de tirer celle qui est en bas là. Hein. Ouais, parce qu'il est en train de se retourner, je vais essayer de te la rappeler. Je crois que j'en ai vu un autre arriver par la gauche. Ça serait bien. Mais il est en contrebas, donc je suis pas sûr. Wapiti, pour notre part, Erwan 76-190. Je dirais Erwan tout simplement, parce que je pense que c'est comme ça que tu t'appelles. Je crois qu'elle se fout de ma gueule l'autre en bas. Oui, il y en a qui est passé à gauche, mais je suis pas sûr qu'il ait continué vers nous. Hein. Ok, bah, je vais ramasser les deux Wapiti que j'ai tiré moi de ma part. Oui. Ça doit être du bon cœur à mon avis. Pour le premier, c'est un mâle. 197 pour moi. Bon, si elle s'arrête, je vais la tirer à cette distance. Pour gauche, foie, intestin, elle m'a pas touché le cœur. C'est pour ça qu'elle a la petite fuite en fait, hein, bestiole. Voilà. Tu l'as bien touché ou... Ouais, elle est tombée. Très bien touché. Voilà. Un poumon gauche, cœur, poumon droit. Donc celle-là, elle a pas eu... Elle, c'est sûr qu'elle a pas fait fuir, quoi. Mais je pense que le mal a dû passer en état de fuite, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Ouais, mais il était un peu trop près pendant le tir, quoi. C'est possible aussi, hein. Après... Center, voilà. Mais l'avantage au moins pour en revenir à Primal, c'est que t'as pas besoin d'avoir peur de faire fuir. Au contraire, ce qu'il faut te méfier, c'est d'attirer en fait. Le moindre coup de feu attire une troupe de Dupta ou de T-Rex. C'est ça. Et le seul animal, à vrai dire, dont tu ne crains rien, entre guillemets, c'est le tricé, quoi. Le tricératope. Ouais. C'est le seul animal, moi je l'appelle la grosse vache du jeu en fait. C'est un peu ça. Ouais. C'est ni plus ni moins qu'une grosse vache. Et un T-Rex, ce n'est plus ni moins qu'un gros poulet, mais un poulet qui fait mal. Gros poulet, quoi. Gros poulet qui mord bien. On va reprendre les traces du mal, à moins que je l'ai tué, parce que j'ai plus de traces, moi, donc je pense que c'est le mal que j'ai buté. Ouais. On va repartir notre chemin vers le nord. Voilà. Il y en avait un en bas, là, mais je le vois plus. Ah, ouais, il a tiré à l'arc à poulie. Ouais. C'est diamant. Ok, oui. Je peux venir à Gunrama. Il m'a posé une question, le jeune homme, je n'avais pas encore. Enfin, le jeune homme. La personne là, j'avais pas en vue. Le truc, c'est que je suis déjà avec Sutter et que lui, il est à 969. Ben. Désolé, mais. Je suis. Avec Sutter sur Skype, hein, donc. Non. Voilà. Parce que sinon, on va mettre trop de temps à synchroniser et après, ça va être un peu le bordel. On va faire un peu plus de bruit à 3. On est parti sur une chasse semi-silencieuse, je précise. Je considère qu'ils chassent quand même avec nous, quoi. Donc, même si vous chassez pas à côté de nous, vous êtes quand même sur la vidéo, quoi. Donc, c'est comme si vous chassez avec nous, quoi. Montrez-nous, faites des beaux kills. Ouais, faites des beaux kills, montrez-nous. Ça se verra. Ça se verra dans le chat. Ça se verra, voilà. Et un ours, bien joué.
GG, petit GG qui fait de bien. On a vu qu'il avait bien, bien tiré. Moi j'ai pris la solution de facilité, j'ai pris l'arbalète. Ah bah tiens. Femelle. À qui le tour? Ah bah du coup tu dois avoir de l'avance, hein, je sais plus. Du coup, 3-3, bah non. Ah bah non. Eh ben oui, eh ben voilà. Oui, j'ai vu que je t'avais concédé deux femelles. deux femelles. D'accord. Vu que je t'avais cédé le mâle, le beau mâle, vu que moi j'en avais déjà fait un. Ah bah oui. Je m'étais dit, comme ça je remets les compteurs en même temps à 0. Voilà. Donc ça fait quand même un petit score sympa. Et on a quand même pas mal. Ça fait Voilà, bizarre ça quand se même. passe bien. Quand je fais oui. F3, ça fait bizarre. Ah bon? Parce que sur Primal, quand on était suffisamment stuffé pour chasser le T-Rex, on chopait déjà 2000 de CSS tout ça. Ah oui, j'ai jamais fait attention à ça. Il y a la femelle en bas là. Ok, elle est loin. 60 mètres. Ok, tu me préviens quand elle est à portée. Ok, je la vois. Bah reste là. Ah, t'inquiète, je suis avec toi. Trois ours. Hop, le petit good luck. Good luck. Il a l'air de pas mal se démerder. Allez les mecs, vous êtes. Alors, 69 mètres. Bon, on s'en fout. Tir. Oh, regarde donc qui est devant, il y a une autre plus proche. Ah oui. L'autre plus proche, je Elle l'affiche. est à 30, 30, oui. Ok, 30 mètres? Ouais. 28. Confirmé? 28. Je peux pas la tirer. Ok, j'entends marcher, c'est elle. Bon, probablement. 24. 24 mètres? Ouais. What? Trop basse peut-être. Je m'excuse. Vas-y, fais feu. Bon, bah, avec ce que j'ai là pour le moment. Bon, tant pis, laisse. Peut toujours essayer, hein. Laisse. On va pas faire trop de bruit. Je pense que j'ai touché un intestin au moins. J'espère pas corps. Peut-être un peu trop basse vu que. Ah, je sais pas. On va voir ça. On verra bien. Roulement de tambour. Pour mon cœur, non, c'est du bon quoi. J'ai touché un seul poumon seulement, peut-être. Ils sont à côté à 10 mètres près, ça fera une belle photo. Voilà. Bah, envoie un après. Ça quand la vidéo sera sortie. Ouais, ça peut être sympa d'aller voir justement ce qu'a fait plus un élan bientôt. Ouais, je pense qu'il était en affût. Gunrama, Tom te demande si tu joues à Primal ce soir. Je ne sais pas. je ne sais pas. Comme il sait, Tom. Non, Tom ne sait pas, je t'en sais game qui sait. Mais je joue vraiment au jour le jour. Hein. Enfin, je peux vous dire une heure à l'avance si je joue ou pas, quoi. Tout dépend T'as des de. traces, toi? Non, mais elle a dû mourir. Hein. C'était pour mon cœur. Je peux aller partir dans le bon sens. Ah, si, en bas, là. Il me semblait aussi, ouais, qu'elle était partie dans cette direction. Ouais. Alors, sauteur, les vacances, ça se passe bien? Ah, bah, ça va. C'est bien. C'est pas désagréable. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, hein, tous. Vous qui regardez. J'espère que vous avez Je la vois. fait je la vois. ouais, j'espère que vous avez commandé des beaux cadeaux pour Noël. Ouais. Bon, t'as commandé quoi, Père Noël? Qu'est-ce que j'ai commandé au Père Noël? Rien du tout, honnêtement. Ah. Je pense que je vais m'offrir un nouvel ordi. Niveau neuf. Bah ben voilà, t'as quand même demandé un ordinateur au Père Noël, quoi, faut pas déconner. Voilà, c'est ça. Et Père Noël, alors, il a le budget? Oh, le Père Noël, oui, il a du. Ça va. Ah, il a le budget. Ça va. Abonné Banque de France. Ouais. Alors, moi, j'ai commandé au Père Noël un nouveau casque micro. Si tout se passe bien, il va aller. Et qu'est-ce que j'ai commandé d'autre au Père Noël? Rien d'autre qui ne vous concerne. Tiens, regarde. Qu'est-ce que je dois regarder? Le chat. Pour mon cœur, pour l'élan. Ouais. Non, avant. Tom. Eh ben, salut à toi, Tom.
C'est bien. Ta 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 ta. Et voilà. Faut mon droit, ouais, comme je le disais. Comme je le disais, bon, on va continuer notre route vers le nord. Même si on est plus descendu vers l'est, l'ouest, pardon, pour le coup. Ouais, montons. Mais pas encore les dents morts. Ouais, mais pas encore morts les dents plutôt. Que vois-je? Je vois pas un truc là-bas, là. Genre. Non, rien, je crois avoir vu un animal.